Bonjour, tonton. Bonjour, madame. Il y a deux paires de chaussures là, je voudrais que tu m'arranges ça. Tu peux me donner le prix. Bon, ici là, tu vas donner 450. 450. Ça là, tu vas me donner 350. Ah, toc toc. Cher comme ça. Non, ça là, on va d'abord coller avant de poudre. Non, même si on doit coller avant de coudre, ça ne doit pas coûter trop cher. Regarde, ça là, on va d'abord gratter avant de coller. Non, toc toc, moi je n'ai que 200. Hein. Regarde, il faut la coller, tu vois, on va gratter. Non, toc toc, moi j'ai 200. Non, je ne peux pas. 200, c'est petit. J'ai 200, toc toc. Si tu donnes, au tout, tu me donnes 600 et c'est je travaille. S'il te plaît, tonton, j'ai 200. Non, je ne peux pas. Non, non. Je vais encore garder, ça sera pour la prochaine fois. Peut-être un autre tonton va faire, mais moi, je ne peux pas. J'ai compris, prochainement. Mais je fous les habits là-dedans, je ne vois rien. Tu n'as pas lavé mes habits comment? Je ne peux pas faire une pause de 10 000 francs pour laver les vêtements qui ne te servent à rien et qui ne me servent à rien de faux. Je ne peux pas. Mais c'est toi qui trouves que les vêtements ne me servent à rien. Je ne peux pas. Ça ne ressemble d'abord à rien. On ne sait pas si c'est ni chose. Je ne peux pas laver les faux. Je ne peux pas. Ce sont mes habits que tu joues avec comme ça, hein, monsieur là. Quand il sera en forme, je vais laver. Mais tu, est-ce que tu connais le manque à gagner que tu es en train de me mettre dedans? Je suis ton mari avant tout, hein. Et c'est pas ce que tu fais là qui te nourrit. Je peux te faire sauter deux dents comme ça dans la bouche. Défaut, je ne peux pas laver les habits. Je peux te fermer l'œil. Je ne peux pas laver les habits là en défaut. Je ne peux pas. Tu as vu mes ongles. Ça te sert à quoi les habits là? Je suis ton mari. Ça te sert à quoi les habits là? Ça te sert à quoi? Je vais porter ça pour sortir. Vas-y, sors. Je sors en short. Je mets le costume, je mets le short sur ça. Et te donne mon cabatou pour deux. Et te donne mon cabatou. On va voir dans cette maison. N'importe quoi. C'est moi qui ai n'importe quoi. Quelqu'un ne peut plus faire son yanga en terre. On va voir qui est qui dans cette maison. Et pas moi ça. C'est quoi ça? Tu te rends compte que ce n'est pas les mêmes pères? Tu ne vois pas, hein? C'est quoi ça? C'est que je suis ça. Tu portes à la vie de ta mère. Oh, malédiction, soit les malédictions que tu cherches. Défaut, ça c'est quoi? On va te voir dehors. On va dire, Brésil, tu vas gonfler. Oh, trouvez-moi une ménagère. J'ai besoin d'une ménagère dans cette maison. Je suis fatiguée de toi. C'est la folie. T'es me soupe. C'est la folie qui te parle. T'es me soupe. Ah, ne dérange pas les gens. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça, ça? Tu me demandes de laver, lave pas. Eh, pardon, n'exagère pas. T'es me soupe. Fais passer. T'es me soupe. Fais-moi passer. Ça, c'est quoi? Pardon. C'est pas toi qui portes mes habits. Ça va. Et si j'ai mis le pantalon de ma mère, quel est ton problème? Comme tu parles, ne viens, ne reviens plus. Ne veux-tu mettre le pantalon de ta mère? C'est toi qui distribues déjà la malédiction aux gens. Yo, mien, tu me comme. Tout pour vous sur la facilité, tu demandes la ménagère. Que toi tu fais quoi ici? Tu seras en train de mettre une ménagère. Quelle est la chaussure que la femme botte? Mais quelle est la chaussure que la voyou internationale dit que c'est deux pieds gauches? Tu sais combien coûte une paire de chaussures? Ailleurs, c'est les femmes qui offrent à leur mari. Les femmes savent offrir des chaussures et des habits à leur mari. Toi ici, c'est le mec.
pardon. Un peu. Tonton. Ouais. Viens un peu. C'est des situations là. Pardon, attends un peu là. C'est comment? Ça va? Mon frère, j'ai demandé à la dame hier de me nettoyer de mon pantalon là, elle n'a rien fait. Moi, mon devant derrière là. Et j'ai constaté que le bas est fendu comme tu constates. Veux que tu m'arrêtes un peu ça? Non, moi je suis toc toc, je coule les chaussures. Tu vois? Moi je suis toc toc, je coule seulement les chaussures. Je ne coupe pas les. Je veux juste que tu arrêtes le bas. Bref, mais arrête juste. Na, tombe si sinon arrête-moi juste le bas. Adapte comme je peux sortir c'est avec. C'est pas mon domaine, ça te dérange pas. Je peux faire, mais c'est pas mon domaine. Il n'y a pas de souci. Okay. Il y a même un autre trou là, mais ça. Là, pas. Où ça? Il y a un autre trou là, mais ça ne dérange pas. Fais le bas. Tout ce que tu vois là, c'est les motomans. Tu es sur une moto comme ça, le motoman ne tient pas compte de ton poids. Seulement charger les clients, charger les clients. Et quand le bas du pantalon se pince comme ça se pince là, il n'est pas responsable, hein. Et quand j'entre là, je vois que le pantalon se rescapé comme tu vois là. Le bas est tout fendu. Non, c'est bon. Ce n'est pas mon. Et je dépose la chaussure là-bas dans ta poupe. Que c'est deux pieds gauche. Ce n'est pas mon domaine. Merci, Vatigran. Je suis le président des touristes. Ah bon? Du national et international autoproclamé. Ça, c'est bien ça, grand. Hein? Je fais que dans les événements. C'est bon, là. Et comme tu. Merci beaucoup. Non, vraiment, merci. Okay. Et comme tu vois là, je peux t'adapter au patron de la forme Gouba Intessa, qui fait dans l'importation. Toujours pour. Oui, pour oui, oui, au Canada. Ça, c'est bien. Et ils importent des chaussures par moment, que déjà envoient des chaussures au Cameroun, déjà trouées. Que si ça arrive comme ça, on appelle quelqu'un comme toi. Dès que ça sort du conteneur, tu cours. Madame Niamey. Madame Niamey. Diane Doris. Que quand le pantalon, la chaussure se pince comme ça et jette. Si tu amènes chez elle comme ça, tu vas rentrer avec des paires de chaussures. Tu vas courir et revendre même. C'est bien, grand. Merci. Donc, merci beaucoup. Je dois déjà passer, grand. Il n'y a pas de problème. Je peux te récompenser prochainement. Il n'y a pas de souci. C'est pour dire que. Petit tu comme ça m'arrêter le bas du pantalon. Mais je me suis battu, j'ai perdu mon temps, j'ai utilisé le fil, tout ça. Avait dit que vous êtes cordonnier, non? Oui, je suis cordonnier, je ne suis pas un couturier, mais imaginez-vous même si c'était un bon couturier qui passait là et qui a travaillé comme ça. Vous devez les laisser partir comme ça. Il peut rendre service au président. Et je ne suis pas n'importe qui. T'as besoin de quoi? Non, grand, moi j'ai beaucoup perdu le temps donc. Donc vous partez de chez vous, vous êtes cordonnier et en route subitement vous deveniez couturier. Grand, payez-moi pour le travail que j'ai fait. De prochainement, petit frère, n'exagérons pas. Sérieux, moi je ne peux pas, j'ai travaillé. Si tu passais comme ça que j'étais à l'entrée et que l'événement a mordu, tu vas manger si ta part va venir. Non grand, ça sera la prochaine fois. Non, viens petit frère, non, grand, viens, ne compliquons pas, viens. Il faut me payer grand. Non, viens, vas-y. Petit frère, sors. Je ne peux pas sortir comme ça, la grande. Tu dois me payer parce que j'ai déjà fait ton travail. Hein? Quoi? Tu me demandes de sortir comme ça, comment? Je ne peux pas sortir comme ça. Si c'est comme ça, là, non. Tu vas me voir. Moi, je veux mon argent ici, là. Okay. Où tu me payes? Tu sors le couteau? Oui, je sors le couteau. Tu sors le couteau? J'ai déjà fait ton travail. Je veux mon argent. Okay. Aïe, 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 aïe. Pour le père. Tant que tu ne me payes pas ici, là, je ne peux pas. C'est quoi, mon père? Salut, madame. Oui, bonjour. Tu vois le monsieur ici? Mm-hmm. Je suis en train de passer. Il m'interpelle, il me dit qu'il a un problème. Il me sort le pantalon que vous voyez là. Je lui ai dit que non, je suis un cordonnier, je ne suis pas un couturier. Il me dit que je couds son pantalon. Je me suis battu, j'ai fait son travail, non. Maintenant, pour qu'il me paye, ça devient un problème. Il me demande de partir. Ya, yeah, il faut se croire, ya. Yeah. L'enfant finit de courir ton habit. Donner l'argent, c'est un problème. Te voilà, on va te tuer à cause de 500. Si ce n'est pas mon argent grand. Tu sors, frère. Pour chaque mot
coco. Clam, finis avec moi avant de causer avec. Prends donc la bille, tu pars avec. Tu dois me payer. Va enlever la bille. C'est mieux, je vais partir avec. Va avec. Président, président. Tu ne peux... Mais tu ne vas pas durer dans ce métier. Allah, je vais te dire, si tu ne me donnais pas l'argent, quoi, avocat et patron, je ne devrais même pas partir. Tu ne me connais même pas. Vas-y avec le pantalon. C'est pas, oui, c'est mieux. Des voyous ambulants qui marchent comme cordonniers. C'est mieux. Ils sont que des criminels. Pas ta bouche. Incapable de payer le travail. Vas-y avec. Ouais, je pars. Un pantalon qui n'est pas ta taille. Vas-y. Et la bonne dame s'est supportée. Tu veux courir de fou. Tu veux courir de fou. Tu vas sortir là. Tu vas sortir.